dire qu'on a les solutions pour produire de l'électricité pas chère. Le truc, c'est le stockage. C'est le stockage. On a des solutions. On progresse. Mais c'est encore assez massif. C'est assez massif. C'est assez massif. Vous voyez, par exemple, pour se raser, si vous avez l'électricité pour une lumière de 60 watts pendant un an, 60 watts, c'est pas énorme. Hein? Bon, et ben, il faut quasiment des batteries grosses comme la maison. On fait deux maisons. Une pour les batteries, puis pour le lumière. Donc mais ça progresse, hein, ça progresse. Hein? On y travaille. Hein? En attendant, faute de stocker beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? On répartit, on optimise, ça c'est pas mal. Hein? Je ne stocke pas, j'utilise tout de suite l'électricité qui est faite. Tout de suite. Hein? Ça s'appelle gérer le réseau. Ça, on sait faire. EDF, ils savent faire ça, comme ils font ça depuis des siècles. Avant, il y avait le délestage. Il y avait un gars qui dit délestage. Il y avait 20 trucs. Ils jouaient comme un organisme avec 20 machins de délestage. Donc on savait faire. Hein. Maintenant, c'est un peu plus subtil. On gère, mais un peu plus subtil. On a un frigo, une machine à laver, on a des lumières, une télévision, tout ça. Et on dit, hop, le frigo est bon. Je passe la machine à laver. C'est propre. Je passe la lumière, là, ça va. Mais je gère. C'est ça, c'est gérer avec son truc. C'est gérer le réseau. Alors, manuellement, c'est dur. Faire un logiciel avec les prises, Là, vous ne verrez plus le réchauffement climatique. Hein, on a trouvé un truc qui est pas mal. Faut être smart. Hein. Faut être smart avec smart grid. Il gère tout ça. Il fout le boulot, en fait, de là, électronique. Vous voyez bien. Vous ne voyez pas tout, même pas de bruit. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein, on dit après. Bon. Oui, c'est ça, c'est marqué, c'est tout.